L'hôpital psychiatrique. Le seul endroit où la torture est considérée comme un traitement. Si leurs méthodes parviennent à rétablir la santé mentale d'un patient, il vaut mieux pour eux qu'ils ne gardent aucun souvenir de l'expérience. T'es prête? Relax, on est sorti du cimetière. Oui, pour aller chez les dingues. Quel progrès! L'endroit où finissent tous ceux comme moi, ceux qui voient l'invisible. T'es pas folle à ce point, allez viens. Ok, je vais t'aider à entrer, mais je... Mais quoi? Si quelqu'un doit interroger Iris à propos du contrat, il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante, non? Oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes, gros malin. Ouais, ouais. Bon, petite. À toi. Et débrouille-toi pour avoir le numéro de la chambre d'Iris. Bonjour. Vous pouvez m'aider? Je cherche une amie. Les visites sont terminées. D'accord. Mais... Elle était avec la police. Alors adresse-toi à la police. Je l'ai fait et ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même. Je ne peux rien pour toi. Très bien. Continue de lui parler, on doit absolument trouver son point faible. Peut-être qu'en regardant sur son bureau... Il s'agit très certainement d'un homme de grande taille et de carrure imposante. Quelqu'un qui est habitué à la violence et dont le passé a été tellement traumatisant qu'il ne sait plus très bien aujourd'hui qui il est.
s'inquiétait pour les électrochocs, mais... il est déjà trop tard pour elle. Non, ne dis pas ça. Bon, très bien. Va voir ce que notre témoin psychotique a à dire. Pas besoin de toi, en fait. Mais qu'est-ce que... On dirait qu'elle m'a botté en touche. Bon. Voyons si je trouve quand même des indices sur elle dans cette pièce. Laissez-la tranquille!
Cours! A sauvé la vie d'Iris en sacrifiant la sienne. Le crieur s'en prend aux jeunes filles. Mais c'était quoi? T'as vu quoi? Pauvre petite. Sa sœur l'a libérée. Elles allaient être brûlées vives, mais Iris, elle, n'a pas pu faire pareil. Ça va? Ronan. C'est Rose. Des flammes. Elle était possédée. Non! N'approchez pas! Qui êtes-vous? Moi, c'est Joy. Tu n'as rien à faire ici. Les infirmiers. Merde! Je suis foutue! C'est peut-être la clé de tout ce merdier. Aide-la! Aide-la! Allez, viens, on l'emmène avec nous! Non! Vous l'emmenez pas! Écoute, tu préfères les électrochocs? Elle reste ici. Tu veux qu'elle soit en sécurité? Elle vient avec nous. À toi de voir. Par ici. Dans ce coin sombre, la voie est libre. Pourquoi mes pires cauchemars n'en finissent jamais? Ok, tirons ça au clair. Je pensais que je ne reverrais jamais ça. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce contrat? Rien, Allez. Ça n'a aucun sens. Il t'a juste demandé si t'avais entendu parler d'un contrat? Il a rien demandé. Il voulait juste qu'on avoue qu'on avait passé un contrat avec les démons. Démons ? On lui avait rien fait. Rien qui justifie qu'il s'en prenne à nous comme il l'a fait. Comme il l'a fait. Noyer une fille, en brûler une autre. Et où est-ce que j'ai déjà vu ce bûcher ?
Ok. Bon, écoute, emmène Iris dans l'église, assure-toi qu'elle ne risque rien. Je vous rejoins plus tard, va! D'accord, allez, viens Iris. Bon. Je me demande quel est le rapport entre la soirée au musée et la mort de Rose.